Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Inergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 18 vessie, Gan Chou, le point Chou transport du foie, le point numéro 18 du méridien de la vessie. C'est un point qui se trouve sous l'apophyse épineuse de la neuvième vertèbre dorsale à une sous et demie, de part et d'autre de la ligne médiane postérieure qui passe par les apophyses épineuses de la colonne vertébrale. Alors c'est le grand point de tous les syndromes du foie, syndromes simples et syndromes complexes, aussi bien pour les vides que pour les plénitudes, bien que les points choux soient généralement plus indiqués pour la tonification, donc pour les syndromes de vide. C'est un point qu'on pourra utiliser, ce 18 vessie aussi. Pour les syndromes de plénitude du foie. C'est un point qui sera intéressant aussi pour tous les troubles euh, des tissus en correspondance avec le foie, c'est-à-dire les yeux, les tendons, les ongles. Alors, c'est en dispersion un point qui va éliminer la surpression du foie, qui va détendre le foie, qui va clarifier le feu du foie mobiliser le chi, disperser les stases de sang, car euh, vous savez que le foie stocke le sang. Donc euh, c'est un point qui est intéressant en dispersion. Il est intéressant aussi et peut-être surtout en tonification pour nourrir le sang et le yin du foie, éventuellement aussi pour les problèmes de vue. Les problèmes de vision viennent en bonne place parmi les indications fondamentales liées à ce point. Toute baisse de l'acuité visuelle, éméralopie, prurie oculaire, glaucome, larmoiement, cécité subite ou progressive. Et outre ces problèmes liés à la vue, on citera aussi les vertiges, les douleurs épigastriques, les hoquets. Okay. Hépatite, hépatomégalie, cholécystite, lithiase biliaire, donc des affections liées à la vésicule biliaire, qu'on associera de points évidemment complémentaires. On pensera également à ce point pour les asthénies, les douleurs des hypocondres, les syndromes atrophiques, les hypogalacties, kystes des seins, douleurs, faiblesses et spasmes musculaires du dos, etc. Alors évidemment, il faut penser ce point dans sa relation avec tous les points qui pourraient lui être complémentaires, notamment le 14 fois qui est le point mou collecteur, le point mou du foie. Et les deux ensembles, 18 vessie et 14 fois, sont très intéressants pour régulariser le foie, spécialement pour les cas de plénitude. Euh, Lorsqu'il y a douleur et distension euh, des hypochondres ou de la poitrine par stagnation du chi du foie ou stase de sang du foie, l'association aux trois fois est particulièrement intéressante aussi en tonification, mais aussi en dispersion. Et là, je vous renvoie évidemment à nos fiches de révision sur ce trois fois, tai chong et le quatorze fois, Chimen. On pensera aussi au huit fois qui n'est pas un point organe mais plutôt un point méridien, encore que ce soit un point intéressant pour nourrir le yin du foie ou le sang du foie. Il est aussi utile ou pertinent d'étudier ce point en relation avec le 2 fois et le 20 VB. Le recours au deux fois est pertinent dans tous les syndromes de plénitude du foie. Montée de yang du foie, montée de feu du foie, stagnation du chi, vent du foie, humidité et chaleur sur le foie. Et le vin VB est lui aussi destiné aux excès du foie, aux plénitudes, notamment les montées de yang du foie, de feu du foie, de vent du foie. Par contre, il est beaucoup moins pertinent pour les stagnations de chi du foie, les surpressions. Voilà donc pour ce 18 vessie et pour les quelques points en relation avec lesquels il faut l'étudier. Donc souvenez-vous qu'en substance, c'est un point qui disperse ou draine la plénitude du foie et qui... En tonification permet de nourrir le sang du foie. C'est un point qui va être utilisé pour traiter les troubles hépatobiliaires, pour traiter les troubles tendinomusculaires, pour traiter les troubles oculaires et pour soulager les douleurs des hypochondres. Voilà, c'est tout pour ce grand point d'acupuncture. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour la suite de ces monographies. Et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.